Encore une belle journée au pays des jouets. On dirait que ça vient de la cabane de Pat-Pat. Allons-y. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Non, vous avez perdu. Et moi, je vous dis qu'on a gagné. Alors, allons. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous disputez-vous? On jouait à mon jeu de société. Et nous ne sommes pas d'accord sur la façon de compter les points. Les pirates ont gagné. Vous pourriez peut-être lire les règles du jeu? Oui, oui, a raison. Dans les règles, il est expliqué comment compter les points. Oh, okay. Ça, c'est une sacrée bonne idée. Ah, les règles du jeu ne sont plus là. Ah, voilà qui est très étrange. Tu ne saurais pas où elles se trouvent par hasard. Non, et puis, si c'est comme ça, je joue plus. Eh bien, nous non plus. On met les voiles. Bateau, au bateau. Oh. Attendez, c'est pas possible, vous n'allez quand même pas vous fâcher à cause d'un jeu. Oh, misère, nous n'arriverons pas à les réconcilier sans les règles. Oh, je sais, il faut que je mène l'enquête. Où sont les règles du jeu? Chouette, une nouvelle enquête. Réfléchissons. Cette enquête, l'affaire des règles du jeu disparue. Comment vas-tu faire, Oui-Oui? Je dois découvrir quand les règles ont été vues pour la dernière fois. Je vais commencer par Pat-Pat. Excellente idée. Et moi, je vais aller voir si les pirates acceptent de revenir. Je suis vraiment, vraiment sûre que les règles étaient dans la boîte quand on a commencé à jouer. Alors, elles ne doivent pas être bien loin. À quoi ressemblent-elles? Elles sont imprimées sur un papier jaune, je crois. Un papier jaune? Rien de ce côté. Les pockets! Coucou les pockets. Waouh. Eh ben dis donc, vous n'auriez pas vu les règles du jeu de Pat-Pat? Non, on s'est mis à fabriquer des beaux animaux et des avions en papier. Alors aucun de vous n'a vu une feuille de papier jaune? Aussi, on a fait un avion, un avion. Vous l'avez fait voler? Il est parti par où? Par là. Jamais redescendu. C'est étrange. Pourquoi l'avion n'est jamais redescendu? Bien rattrapé, Zip-Zip. Peut-être que quelqu'un a attrapé l'avion pendant qu'il volait. Comme Zip-Zip vient de le faire. Un jouet qui vole. Qui peut voler au pays des jouets? Potion? Non. Pat-Pat? Non. Vroom peut voler. Mais elle était avec nous tout le temps. Donc ça ne peut pas être elle. Deltoïd? Non. Scotty! Oui! Scotty! Scotty! As-tu pris les règles du jeu? Non! Oh, d'accord. Aidez! Aidez! Tu veux nous aider à trouver les règles? Ce serait super! Oh! Les bambous! Sois prudent, Scotty! Oh! Et si les règles s'étaient coincées quelque part, comme toi à l'instant? Les pockets m'ont dit que l'avion en papier était parti par là, au-dessus des arbres. Oui, oui, oui! Donc, ça veut dire qu'il s'est envolé vers... la ferme de Tom! Peut-être qu'on peut le repérer depuis le ciel. Allez, vroom! Mode hélicoptère! Allons-y.
allons jeter un coup d'œil. Je suis désolée, Oui-Oui. Nous n'avons pas vu d'avion en papier ni de règles de jeu de société. Cette enquête est vraiment difficile. Si je ne retrouve pas les règles du jeu, Pat-Pat et les pirates risquent de ne jamais se réconcilier. Zim Zim, arrête! Regarde ça! En tournant, le moulin à vent a repoussé Scotty loin de la ferme! Bah, ça alors? C'est drôlement marrant! Et si la même chose était arrivée à l'avion en papier? L'avion venait de là, et le moulin à vent est juste ici. Donc, le courant d'air déclenché par le moulin à vent a peut-être envoyé l'avion en papier dans une autre direction. Tom, as-tu fait tourner ton moulin à vent aujourd'hui? Moi, non. Mais mon chat l'a peut-être fait. En jouant, il lui arrive souvent de sauter sur le bouton et de l'allumer. Je pense que je sais comment retrouver les règles du jeu. Dis, Tom, tu veux bien m'aider à résoudre cette affaire? Vertuchou, ça me plairait bien. Génial, on va avoir besoin de ça. Zim Zim, on y va. En route, Scotty. Alors, qui a gagné la partie?
Vous avez tous les deux gagné. Vous êtes à égalité. On a gagné, on a gagné. Oui, mais j'ai gagné un peu plus. Beau travail, mon garçon. Tu as réussi à résoudre cette affaire. Où as-tu trouvé les règles du jeu? Sur la cheminée du dino-labo. Quand j'ai vu tourner le moulin à vent de Tom, je me suis dit que l'avion en papier avait peut-être été envoyé dans une autre direction. J'avais raison. Et maintenant, Pat-Pat et les pirates sont à nouveau amis. L'affaire des règles du jeu disparue est résolue. Alors, nous avons trouvé tous les indices. Il n'y a plus de mystère.